Salut à tous, aujourd'hui je vous montre ce qu'on peut faire avec TextPlus sur 3ds Max 2018. Alors, je place mon texte ici. Tout d'abord, qu'est-ce que vous remarquez? C'est comme si nous avons pris texte, tout simplement, puis on a converti en éditable polygone, puis on a mis dessus shell. Oups, c'est pas shell. Shell. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait ça ici, sur Text Plus. Bon, je mets 3D. Team. Voilà. Je pourrais échanger les caractères. Par exemple, bien ça. Non, je préfère Arial. Ça va. Bon, size et tout. Bon, ça me va. Tout ça, ça me va. Voilà. Extrude. C'est comme on a vu tout à l'heure avec Shell. Je pourrais ajouter un segment ici. Je pourrais appliquer bevel dessus. Par exemple, avec 5 steps, je fais concave. Ou bien, il y a convexe. Ça, c'est une autre sorte. Voilà, vous pouvez essayer tout ça vous-même. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Pour une animation, par exemple, je peux séparer par caractère. Ça veut dire chaque caractère devient indépendant de l'autre. Sinon, ici, il y a d'autres options comme un seul mot, par exemple. Team sera un mot et le deuxième mot, ça sera 3D. Line, une ligne, par exemple, ou bien un paragraphe. Moi, j'ai besoin d'un caractère. Voilà. Puis, je vais essayer de faire une animation. Je prends une déformation géométrique qui s'appelle bande. Je place ma bande ici. Puis, je prends mes caractères. J'attribue bande. Je regarde maintenant ce que c'est. Ah, non, c'est trop fort comme déformation. Je sélectionne bande, je vais aux paramètres. Je dois manipuler mon follow-up. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai besoin de quelque chose comme ça. Alors, j'active AutoKey, je sauvegarde l'état initial. Puis, par exemple, quand j'arrive à 30 secondes, je sauvegarde une autre clé, puis je déplace ma bande ici. Voilà. Je regarde mon animation. C'est trop fort quand même. Je dois chercher dans les paramètres, strength par exemple. Je mets à 0.
je crois que ça, c'est suffisant. C'est suffisant. 0,02, c'est largement suffisant. Non. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, je prends ce paramètre-là. Je le copie. Je n'ai pas besoin de cette clé-là. Je reviens sur mes 30 secondes. Je mets 002. On met ici. C'est 002. Ici aussi, c'est 002. Je regarde maintenant. Voilà. Voilà, j'avais besoin de quelque chose comme ça. Allez, au revoir.